Bien, bonjour à, et bienvenue à toutes et à tous. Alors, rebonjour pour celles et ceux qui étaient avec nous ce matin pour les deux conférences d'ouverture et la table ronde des journées d'études Bac-3, Bac+3. Et merci aux nouveaux participants, car je sais qu'il y en a qui sont présents cet après-midi pour assister à la conférence de Nicolas Charles, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, qui traitera de cette question du continuum à la lumière de la comparaison internationale. Avant de laisser un mot d'introduction à Charles Torossian, je redis, et je m'en excuse pour ceux qui l'ont suivi ce matin, mais je redis quelques fonctionnalités de la plateforme que nous utilisons. Et je vais tester, vous voyez que sur le panneau latéral de droite, vous avez trois onglets, chat, questions, sondage. Et nous allons tester, voilà, par le chat, merci, si tout le monde nous entend bien. Je vois que les réflexes se sont pris depuis ce matin. Donc, tout va bien. Donc, c'est la messagerie instantanée. Et nous utiliserons essentiellement pour interagir avec les contenus et la présentation de Nicolas Charles, l'onglet questions. Donc, j'y vais tout de suite. Et donc, si certains d'entre vous veulent bien poser une question factice et neutre pour la démonstration, on va prendre 30 secondes pour comprendre le fonctionnement des questions et vous assurer que chacune d'entre elles sera traitée ou reprise. Donc, vous voyez, trois points d'interrogation de Bruno, qui a donc posé une question. Et déjà, vous voyez, en cochant le petit triangle, vous décidez de voter cette question. Le vote de cette question nous indique son audience. Et donc, nous veillerons à prendre préférentiellement les questions les plus votées. Et nous pouvons également répondre en direct à chacune d'entre elles, ce que Nicolas Charles est en train de faire avec Olivier Rey. Je le vois tout de suite. Et donc, voilà, on peut commencer. Je laisse sans plus attendre les premiers mots à Charles Torossian pour cette conférence de Nicolas Charles. C'est à vous, monsieur le directeur. Merci, merci Nicolas Ménagier. Il y a aussi la fonctionnalité sondage qui sera proposée tout au long de cette rencontre que Nicolas Ménagier vous redira dans quelques instants. Donc, rebonjour à ceux qui étaient là présents ce matin à 9h30. Bonjour aux nouveaux. Donc, comme vous le savez, nous lançons à l'IHESEF les journées Bac-3, Bac+3. Ce sont des journées d'études, ce n'est pas encore un colloque qui aura lieu exactement dans un an, du 5 au 8 février 2022, si ma mémoire est bonne. En tous les cas, je voulais remercier évidemment les équipes de l'IHESEF, mais aussi l'ensemble de nos partenaires institutionnels et universitaires pour les collaborations précieuses que nous avons réalisées pour ces journées d'études. Ces journées d'études se dérouleront, comme on l'a dit ce matin, jusqu'au mois de mai en distanciel. Et au mois de mai, nous aurons, du 10 au 12 mai, nous aurons un présentiel à l'IHESEF. Alors, le Bac-3, Bac+3, c'est évidemment un sujet, comme je l'ai dit ce matin, un sujet qui n'est pas neuf. Mais en vérité, la question du pilotage est un sujet neuf. Et le vrai réservoir de progrès pour l'ensemble du système éducatif et universitaire, en direction de nos élèves, en direction de nos étudiants, c'est bien l'action de pilotage. On s'en rend compte sur la réforme du lycée, sur Parcoursup, sur la réforme de la licence, sur la loi Or, etc., etc. Les pilotes cadres sont aujourd'hui au cœur de la transformation du système et l'accompagnement des réformes. Le management des équipes est une thématique sur laquelle nous œuvrons ici à l'IHESEF. Et on voit que la transformation, quels que soient les sujets, autour des équipes de professeurs, eh bien, se fait grâce à un management un petit peu plus agile. Alors, au-delà des questions de pilotage, la question de l'international, évidemment, permet de repositionner nos réflexions, puisque là, il s'agit de journée d'études, donc il n'y a pas, disons, de hiérarchie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas mis de cravate exprès pour montrer que ce n'est pas l'inspecteur général qui parle, ni le directeur de l'IHESEF, mais un universitaire comme nous tous, et ou un responsable cadre comme vous toutes et tous qui sommes réunis aujourd'hui. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est comment améliorer le système et quel levier d'efficacité enclencher. Alors là, pour dynamiser notre réflexion, bien évidemment, la question internationale est une pépite. Nicolas Charles, qui porte nos deux prénoms, c'est pas fait exprès, mais en tous les cas, c'est un signe. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux et spécialiste de la question des comparaisons internationales,
viendra éclairer cette question de l'enrichissement par les observations internationales sur notre réflexion. En quelque sorte, Nicolas Charles va nous proposer d'élargir le regard en interrogeant cette idée très française du continuum Bach-3, Bach+3 que la rectrice Frédérique Alexandre Bailly a traité ce matin. Au travers d'exemples, évidemment, de situations de pays proches, son propos sera d'examiner en quoi les pilotages et les cadrages institutionnels influent sur les pratiques des acteurs de l'accompagnement. Alors, je citerai la phrase suivante, « La comparaison internationale permet d'interroger cette idée très française », mais en tous les cas, en reprenant le cas de la Suède et de l'Angleterre, si je suis bien informé, nous déconstruirons, nous dit Nicolas Charles, les sous-bassements de cette idée et nous réfléchirons sur la base d'exemples pratiques, l'année de césure, à ce que ce cadrage institutionnel et normatif produit sur les pratiques des acteurs de l'accompagnement et sur les expériences des jeunes in fine. Alors, bien évidemment, voir de l'extérieur le système éducatif français, c'est évidemment une façon de l'analyser et une façon de se décentrer. C'est toute l'action des cadres pilotes. Les cadres pilotes sont, comme vous le savez, en position un petit peu schizophrénique. Ils ont des urgences permanentes. Ils doivent réagir dans l'instantané, temporel et physique. Mais pour garder du sens au cadrage, au pilotage, il s'agit en vérité de donner du sens sur le long terme. Et bien évidemment, ces questions ne vous auront pas échappé. Alors, la réflexion de l'extérieur du système et les questions internationales bien illustrées, cette réflexion, vont nous ouvrir sur peut-être des voies. Et ça sera évidemment une partie importante des journées d'études du mois de mai et des comptes rendus que nous pourrons délivrer, les livrables que nous assurerons, afin d'alimenter la réflexion stabilisante du grand colloque Bac-3, Bac+3 qui aura lieu au mois de février 2022. Nicolas Charles, je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous. Merci de porter cette réflexion commune dans un esprit de confiance, d'efficacité pour créer cette communauté de pensée autour du Bac-3, Bac+3. À tout à l'heure. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation. Merci de l'invitation aussi. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les acteurs, pas seulement les étudiants, mais aussi avec les acteurs du système éducatif de façon générale. J'ai déjà été largement présenté, donc j'ai pas grand-chose à vrai dire à dire de plus. Hein. Voilà, mes travaux de recherche portent sur la comparaison européenne, hein, sur les étudiants, sur les systèmes d'enseignement supérieur, sur les systèmes de formation des adultes. Et là, je vais parler de travaux hein, qui sont issus d'un, notamment ceux qui sont issus d'un ouvrage que j'ai publié en 2015 et puis ce qui a fait un petit peu la suite aussi de ces travaux-là. Alors, je n'ai pas travaillé spécifiquement ni sur ce continuum le terme de continuum et ce qu'il recouvre, ni spécifiquement sur la transition entre secondaire et supérieur, hormis sur les questions de sélection, qui sont quand même un sujet assez important sur ce point. Je n'ai pas non plus spécifiquement travaillé sur l'action de pilotage, hein, qui est au cœur de votre colloque, mais j'ai essayé de relire un petit peu mes travaux au regard du questionnement qui est porté par ce colloque. Effectivement, l'idée étant de se dire, au fond, on peut ouvrir un petit peu ses perspectives en regardant un peu ce qui se passe à l'étranger. Donc, c'est bien ça l'objet un petit peu de ma proposition aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser des questions. Je ne sais pas si je serai extrêmement alerte pour regarder les questions qui sortent et les classer par le plus grand nombre de votes. Mais j'essaierai de rebondir éventuellement sur les questions hein, si j'y arrive. J'essaierai aussi de vous présenter quelques sondages pour avancer aussi dans notre réflexion de manière collective. Donc, ce que je vous propose du coup de regarder d'abord, c'est en quelque sorte effectivement un premier constat, une première partie un petit peu diagnostique en quelque sorte, sur la situation française telle que
voilà, telle qu'elle apparaît dans ces dernières années, dans ces dernières décennies. Alors évidemment, on a des étudiants français qui sont assez différents hein, de ce qu'ils étaient dans les années 60. Je ne vais pas refaire tout l'historique hein, du système universitaire que la plupart d'entre vous doivent connaître assez bien. Voilà, maintenant, on est à 2,7 millions d'étudiants. Ce qui évidemment n'a plus rien à voir en termes de massification avec ce qui se passait dans les années 60, mais même à vrai dire par rapport à ce qui se passait dans les années 90. On a eu des évolutions extrêmement fortes en termes de diversification de l'offre de formation, que ce soit en termes de logique de professionnalisation avec des nouvelles filières qui sont apparues, les BTS, les DUT, maintenant on est au BUT, comme vous savez, toutes sortes de nouvelles filières qui sont apparues au fil de temps, ce qui a le plus marqué les 15 dernières années, c'est non pas tant, à mon sens, une logique de professionnalisation qu'une logique de privatisation, où on a une augmentation assez nette de la part des formations privées en France. Hein, ça a dû passer en 15 ans de 10 à 20%. Donc, c'est quand même une augmentation assez nette hein, sur ce qui s'est passé sur les dernières années. Les parcours eux-mêmes, ils ont évolué sur un certain nombre de points. Bon, le master, il est carrément en train de devenir le standard hein, de sortie. Alors évidemment, il y a des projets type BUT qui suivent aussi les licences pro, etc., qui ont un objectif de fixer un certain nombre d'étudiants au niveau licence, en niveau de sortie. Voilà, globalement, quand on regarde en termes de comparaison, on voit que c'est plutôt une standardisation du niveau de sortie master qu'on est en train de tendre en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Évidemment, les parcours, ils ont aussi beaucoup changé avec une incorporation, beaucoup des petits boulots, des stages, évidemment, une explosion de ceci sur les dernières décennies. Et puis, dernier point, ça a beaucoup changé aussi pour l'accueil des nouveaux publics, notamment d'origine populaire, dans le système d'enseignement supérieur français. Alors, ce qui a moins changé quand même, même si il y a une dynamique en cours et qu'il y a de la bonne volonté hein, rhétorique des acteurs et des ministères, etc., c'est en quelque sorte les parcours sur leur dimension d'organisation des études. Où là, on a des parcours qui sont encore quand même assez linéaires, assez rapides et qui laissent assez peu de place pour la formation tout au long de la vie, donc la formation des adultes au-delà de la formation initiale, qui soit une formation diplômante. Alors là, vous le voyez peut-être plus sur le graphique, voilà, sur le tableau, là, ce que vous voyez sur le tableau de droite, c'est pour un certain nombre de pays hein, que j'ai sélectionné dans cette étude qui s'appelle Eurostudent, une étude comparative sur les étudiants en Europe. C'est quelques statistiques hein, très descriptives sur les populations françaises, sur les populations étudiantes. Donc en fait, ce que vous voyez dans la première colonne, c'est les étudiants qui ont 25 ans et plus. Alors là, qui peuvent être aussi des étudiants en doctorat, etc., hein, qui ne sont pas forcément des étudiants vraiment en formation continue, en quelque sorte. Et on a à peu près 14% en France. Et si vous descendez jusqu'à la Finlande, on arrive à 58%. Donc là, le tableau est classé sur la base de cette colonne. Les 30 ans et plus, on n'en a plus que 5% en France, et on en a quand même un quart en Suède et en Finlande. Le report des études, c'est le fait de ne pas commencer directement les études après l'obtention de la qualification secondaire, donc souvent le bac en France, mais d'attendre au moins 24 mois pour commencer ces études. Vous voyez que c'est quasiment inexistant en France, hein, de l'ordre de 2%. Alors que ça peut être très élevé, et on parlera de la Suède, hein, on est quasiment à 50%. Et l'interruption de parcours, qui est elle, le fait d'interrompre pendant au moins une année ses études en cours de parcours d'études, et là, qui est plus contrasté, mais qui est quand même beaucoup moins aussi, qui est quand même très peu courant en France, mais pas beaucoup plus courant dans les autres pays. Donc on a des parcours assez... Oui, assez normé, puisque c'est des parcours de jeunesse, hein, au fond, nos parcours d'études en France, de manière plus anecdotique. On a évidemment des adultes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui reprennent des formations diplômantes à l'université, mais statistiquement, c'est extrêmement rare. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, évidemment, dans vos établissements, ça arrive, etc., donc ça, je veux bien l'entendre, mais statistiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement rare par rapport à d'autres pays européens.
Donc, peut-on dire, Olivier Brunel, je reprends une question d'Olivier Brunel, que l'on joue son positionnement via les études initiales plus vite et plus tôt en France, j'imagine, qu'ailleurs, à l'étranger? Et ben oui, effectivement, on peut en quelque sorte dire qu'il y a une forme de poids énorme du diplôme initial en France et que les choses se jouent effectivement à ce moment-là. Ce qui pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs, hein. Je fais une petite parenthèse là-dessus, ce qui pose un certain nombre de problèmes, c'est que en fait, les familles ayant un sentiment, une sensation qu'il se joue quelque chose effectivement dans le diplôme initial et donc dans toutes les études lorsqu'on est jeune, elles mettent beaucoup plus l'emphase en France qu'ailleurs sur cet enjeu scolaire. Et au fond, quand on met beaucoup plus, ça c'est des travaux de François Dubé sur les questions d'emprise scolaire, de François Dubé, Marie Durubella et Antoine Verretout, quand on met beaucoup plus l'emphase au fond sur l'école, quand elle devient beaucoup plus importante, au fond ça accroît les inégalités à l'école, les inégalités sociales à l'école. Pourquoi ? Parce que les familles y mettent, le comprennent et y mettent beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus d'investissements scolaires. Et évidemment, on sait bien, et vous le savez, la sociologie l'a montré depuis très longtemps, que justement cet investissement scolaire, il est évidemment très lié à l'origine sociale. Deuxième tableau que je voulais vous montrer, deuxième graphique que je voulais vous montrer, qui est très lié au premier, mais je trouve qu'il donne une vision différente, c'est le taux de participation à l'enseignement supérieur selon l'âge. Donc vous avez la France, la Suède et le Royaume-Uni ici. Vous voyez que sur le cas français, vous avez qui est la courbe en bleu, qui est la plus haute, celle qui atteint le plus grand pic à 20 ans. D'accord. En fait, celle qui atteint le plus grand pic, je ne sais pas si, ouais, si vous voyez mon petite, ma petite flèche, on a un très grand pic, c'est-à-dire qu'à 20 ans, 50% de la jeunesse est en formation d'enseignement supérieur. Et vous voyez qu'en fait, la particularité française, c'est qu'on a un pic très haut qui descend très rapidement et ensuite qui se maintient beaucoup plus bas dès 28 ans que d'autres pays, notamment que le Royaume-Uni et la Suède. En Suède, vous voyez que la normalité, en quelque sorte, c'est de ne pas forcément être en études de suite. Et que le pic, il est plutôt autour de 22 ans et il est beaucoup plus étalé, en quelque sorte, il est beaucoup moins haut que pour le cas de la France. Et il se prolonge de manière beaucoup plus longue et beaucoup plus étalée. Le cas de l'Angleterre est un cas. Alors des fois je dis Angleterre, des fois je dis Royaume-Uni, mais c'est parce qu'en fait là c'est le Royaume-Uni, mais des fois il y a des choses différentes en fait en Écosse notamment. Donc, pour ça que je vais, excusez-moi, varier entre les deux parfois. Le cas de l'Angleterre montre un petit peu la même chose qu'en France, sauf quand même de manière plus étalée, c'est-à-dire qu'en fait il y a une prolongation beaucoup plus longue de l'accès, de la participation aux formations diplômantes quand on est adulte. Alors, premier quiz, si Nicolas Ménager veut bien le lancer, c'est un quiz d'échauffement. Donc, normalement, vous allez ça et, dans sondage. Il est lancé et quelques réponses pour commencer. Eh bien, parfait. Alors, vous voyez, c'est un quiz d'échauffement. Donc, vous voyez que c'est une petite blague, évidemment, hein, pour introduire la suite. Et vous voyez normalement quand vous avez voté. Et oui, donc je vois que vous votez. Et voilà. Et dans tous les cas, effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est bien la France qui a donc le pire taux, si on veut bien imaginer que c'est positif d'avoir un haut taux de participation à la formation diplômante en Europe pour les 30-39 ans. C'est la France qui a le pire taux de participation aux formations diplômantes. Donc elle est tout à droite. Hein, si vous regardez. Ici, vous suivez ma flèche, elle est tout à droite, la France. Moins de 2% des 30-39 ans sont en train de participer à l'éducation formelle, donc à l'éducation dans le système éducatif, quand ils sont plus de 16% en Finlande et presque 16% en Suède. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu en quelque sorte la contrepartie de la formation, de l'importance du diplôme initial. C'est qu'au fond, sur la suite, c'est-à-dire pour la formation des adultes, au fond, ça ne correspond pas en quelque sorte
à un besoin, à une logique française, puisque tout se passe en quelque sorte, ou énormément se passe en formation initiale. Au fond, c'est comme si on n'avait plus besoin de former les adultes. Et en tout cas, c'est comme ça que se passent les trajectoires françaises principalement. Elles sont très séquencées, c'est-à-dire que on a une emphase très forte sur la formation supérieure, hein, je parle là sur la formation supérieure, entre 18 et 25 ans, et ensuite entre 30 et 60 ans, c'est là où le taux est le plus bas en Europe et un des plus bas dans le monde. Alors Jean-Marie Chesneau demande pourquoi ce serait un handicap. Donc j'imagine que c'est pourquoi ce serait un handicap d'avoir moins d'éducation via le système éducatif tout au long de la vie. C'est au sens que, au fond, du retour en qualification et de la montée en qualification, plus importante des personnes qui sont sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes très peu formées qui sont sur le marché de l'emploi, elles ont accès à de la formation professionnelle courtes, qui permettent de les requalifier sur des champs proches des leurs, etc., et qui leur permet d'avoir des compétences très pratiques assez rapidement, mais elles ont extrêmement peu de probabilité de se former, de se reconvertir dans un métier nouveau. Du coup, ça, c'est plus compliqué en termes d'efficacité économique et c'est aussi assez délicat en termes de justice sociale de penser que les étudiants, une fois qu'ils se sont formés, ou les non-étudiants, une fois qu'ils ne se sont pas formés, au fond, ils n'ont plus accès à de la formation diplômante tout au long de la vie, en tout cas de façon statistiquement très minoritaire. Alors, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de hasard en quelque sorte à ces chiffres-là, hein. Ils sont très, vraiment très particuliers dans le monde, et donc c'est des trajectoires, comme je disais, très séquencées, et c'est le fruit en gros, en quelque sorte, d'un contexte normatif et institutionnel un petit peu assez particulier en France, qui est à la fois externe au système éducatif, mais qui est aussi interne. Donc, d'un point de vue un petit peu externe à l'enseignement supérieur directement, hein, au système actuel, et en quelque sorte des représentations qui sont des représentations un peu socio-historiques de l'étudiant, alors qui date, je ne vais pas rentrer dans une socio-histoire de tout ça, mais qui date notamment d'une sorte de compromis, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, d'après-guerre, mais en tout cas d'un imaginaire qui est né à ce moment-là, en tout cas qui s'est consolidé en ce moment-là et qu'on retrouve encore en partie aujourd'hui, qui est celui qu'au fond les étudiants sont des jeunes travailleurs intellectuels et qu'au fond en tant que travailleurs, certes intellectuels, mais travailleurs, ils devraient se concentrer à temps plein sur leurs études et qu'au fond, c'est une activité légitime et qui n'a pas à supporter une concurrence avec une autre activité. Donc, on le retrouve, dans les discussions récentes des 10-15 dernières années sur la concurrence entre emplois salariés, des étudiants et études, mais tout ça remonte à assez loin et en fait renvoie à cette question de la répartition justement d'une formation initiale d'une formation supérieure plutôt pour les jeunes et ensuite d'un accès au marché de l'emploi pour les adultes sans formation, sans retour en formation. Donc l'importance du diplôme initial aussi, hein, on en a un petit peu parlé, dans l'insertion professionnelle, qui n'est pas sans lien non plus avec une forme d'effet cicatrice. Alors là, des questions peuvent se poser là justement sur la situation actuelle avec la COVID-19. L'effet cicatrice, c'est au fond le fait d'avoir, est-ce que le fait d'avoir une insertion socio-économique initiale, donc d'avoir un emploi avec plutôt moins qualifié, avec des revenus moindres, etc. Est-ce qu'au fond, ça va avoir un impact sur le reste de la vie professionnelle ?
Et en fait, des études, notamment, alors ça, c'est Louis Chauvel qui montre ça. Il montre ça, non, pas seulement d'ailleurs au niveau économique, hein, pas au niveau seulement des salaires, mais au niveau, par exemple, de la représentation politique aussi, qu'au fond, les générations, elles ont une forme de destinée et que cette destinée, elle est très marquée par leur entrée dans la vie adulte. Et que, au fond, donc c'est une manière, en quelque sorte, aussi de démontrer l'importance du diplôme initial dans l'insertion professionnelle, c'est de démontrer un petit peu l'existence de cet effet cicatrice. Des choses après plus internes, en quelque sorte, au système d'enseignement supérieur, ça va être justement l'impact un petit peu du cadrage national de l'action publique. Par exemple, alors sauf si ça a changé très récemment, mais jusqu'à très récemment, il n'y a pas de statistiques sur les études à temps partiel. Pourtant, il y a un appareil statistique du ministère de l'enseignement supérieur qui est assez énorme, avec par exemple le repère et référence statistique qui sort tous les ans, qui fait quand même plusieurs centaines de pages. Sur le temps partiel, c'est en quelque sorte un angle mort qui apparaît. Il y a un certain nombre aussi de seuils d'âge. Alors, c'était le cas dans APB, c'est-à-dire une priorité des candidats qui étaient plus proches du bac que ceux qui étaient plus éloignés de l'obtention en temps, hein, c'est-à-dire en nombre d'années, de l'obtention de leur qualification secondaire. Donc, de mémoire, ça a changé sur Parcoursup, hein, ce qui montre qu'il y a quand même des éléments qui évoluent. La question des bourses sur critères sociaux, qui sont, alors je vais, pour prendre un exemple de ce qui se fait différemment, puisque je ne vais pas y revenir plus tard, en France, donc c'est avisé des moins de 28 ans sur la base des critères de l'origine sociale des parents, enfin de leur situation, la situation des parents. Par exemple, en Angleterre, pour le même type de bourse, c'est avant 25 ans sur les revenus des parents, après 25 ans sur sa propre situation individuelle et de couple et de foyer fiscal. Donc, c'est une manière, on va dire, d'envisager les choses qui sont différentes qui, en quelque sorte, maintient, hein, même en termes de dispositifs de financement, la formation, l'enseignement supérieur comme plutôt un dispositif pour la formation initiale. Évidemment, il y a toute une responsabilité aussi du pilotage local, où il y a parfois au niveau local, ça dépend, hein, des établissements, ça dépend ensuite en dessous des filières, des composantes, etc. Mais il y a parfois peu de possibilités, voire peu d'encouragement, voire une certaine intolérance à s'inscrire justement dans des logiques, des parcours un petit peu spécifiques. Type temps partiel, à distance, en horaire décalé, etc. Et évidemment, ça, cette responsabilité-là, elle descend du plus haut niveau de l'établissement jusqu'au plus bas niveau, hein, du secrétariat et du responsable d'année. Donc, en fait, cette responsabilité-là, elle est évidemment partagée. Alors, je regarde en même temps les questions avec des votes. N'est-ce pas dû au fort coût de l'inscription à l'université s'il y a reprise d'études, et cela depuis 2014 ? Donc, du coup, vous devez parler de l'inscription à l'université, j'imagine, pour les étudiants en formation continue. Donc, effectivement, alors c'est plus coûteux, c'est coûteux pour les personnes qui s'inscrivent en formation continue à l'université, sachant qu'en théorie, c'est pris en charge, effectivement, le coût de la formation par le système de via les OPCO, via l'employeur, etc. Donc, en théorie, ça devrait être effectivement pris en charge par les financeurs de la formation professionnelle, mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Effectivement, c'est une partie des raisons. Alors, par exemple, un autre système, par exemple en Suède, en termes de financement des études, ils ont un système très, très intéressant où les études, la formation en elle-même est gratuite. Donc ça, c'est une première chose.
Mais bon, quand on est un adulte, quand on a 30 ans, 40 ans, qu'on a une famille, etc., la question, ce n'est pas seulement de payer sa formation, c'est qu'il faut bien payer son loyer. Donc, c'est là une petite différence aussi par rapport vraiment aux plus jeunes, hein, qui peuvent parfois habiter encore chez leurs parents. Et donc, en fait, en Suède, vous avez les études qui sont gratuites en tant que telles. Et puis après, vous avez le droit, entre 18 et 55 ans, à tirer sur 12 semestres d'études. D'accord ? Donc, l'équivalent de 6 années d'études, semestre par semestre. Vous avez le droit, donc, aux études gratuites, ça c'est une chose, et vous avez le droit à une bourse qui est universelle, qui n'est pas sur critères sociaux, qui est de l'ordre de 200 euros par mois, donc il ne va pas très loin, et vous avez le droit aussi d'emprunter jusqu'à 800 euros par mois. C'est un emprunt qui est fait auprès de l'État, et qu'en gros, d'une façon ou d'une autre, si vous n'arrivez pas à le rembourser, ça sera annulé au bout d'un moment. Donc du coup, il y a une logique de ce type-là, qui est mise en place en Suède et au fond qui vise à rendre les individus autonomes de leur famille et à ne rendre de compte en quelque sorte qu'à l'État. Et ça, en fait, c'est un dispositif qui est universel. Donc, vous n'avez pas besoin de rechercher un financement, en fait. Le financement, il est de toute façon universel. En France, effectivement, vous allez avoir un système où, en fonction de votre statut social, de vos statuts d'emploi, vous pouvez être éligible à un certain nombre de financements. Donc, ça veut dire que si vous êtes un père ou une mère au foyer, vous avez le CPF maintenant, mais ça, c'est très nouveau. Mais encore faut-il que ça couvre le coût des études, ce qui est quand même assez rarement le cas, parce que ça peut être un maximum de 5 000 euros. Mais vous avez surtout d'autres types de financements, mais si vous avez des financements, si vous êtes demandeur d'emploi. Mais si vous êtes demandeur d'emploi, encore faut-il que vous convainquiez votre conseiller Pôle emploi que vous faites vraiment un choix très professionnalisant et qu'il accepte de vous financer. Vous pouvez aussi demander à votre employeur, mais c'est dans la même logique. Donc, en fait, il n'y a pas de droit à la formation, en quelque sorte, ou en tout cas de manière relativement limitée, même si avec le CPF, ça a quand même pas mal évolué. Alors, je vous propose une petite métaphore pour mieux comprendre. Donc, parce que au fil de l'enquête, de l'enquête que j'ai menée, bon, les étudiants français, ils ont quand même, quand je suis allé voir les étudiants, ils ont égrené un florilège de métaphores, je dirais, pour désigner leur parcours. Et donc, il m'est venu au fond l'idée de se dire qu'au fond, on pouvait peut-être réfléchir à une métaphore et que l'analogie de moyens de transport était peut-être la meilleure façon de penser les parcours d'études en Angleterre, en Suède et en France. Alors sur le cas anglais, hein, ce qui est la meilleure analogie en quelque sorte, hein, ce que vous voyez du coup dans la petite illustration qui apparaît là, c'est en fait la circulation automobile, c'est-à-dire être dans son véhicule individuel. Donc, en quelque sorte, chaque étudiant peut rejoindre de manière autonome la destination qu'il désire, hein, le secteur, le métier, etc. C'est chacun son parcours, chacun son diplôme, hein, avec des diplômes très individualisés, hein, j'y reviendrai plus tard. Tout est possible, même les trajets les plus sinueux. On peut se déplacer à son rythme, on peut s'arrêter au bord de la route, tranquillement. Mais évidemment, et bon, il y a un certain nombre de contraintes. Hein, par exemple, tous les étudiants n'ont pas le même sens du placement, comme dirait Bourdieu, c'est-à-dire la capacité qui est liée à l'origine sociale à repérer les bonnes formations, hein, là, dans notre cas. Bref, en quelque sorte, tout le monde n'a pas le même GPS et n'a pas les mêmes infos sur l'état des routes et les itinéraires à éviter, les routes fermées, etc. Évidemment, aussi, les possibilités de se réorienter s'amenuisent à mesure qu'on arrive au bout de ses études, et d'autant plus que si on est bien libre de s'organiser quand on est en voiture, il faut faire avec les moyens disponibles, et toutes les embûches des procédures de sélection, des frais de scolarité qui sont très élevés en Angleterre. Et à la fin, au fond, c'est la responsabilité individuelle qui prime, et chacun est responsable de ses choix. Le cas suédois... Bon, il est intéressant que moi, quand je suis allé voir des étudiants en Suède, voilà, et je vais voir le premier étudiant, et puis ils me disent
Ouais, moi j'étais fatigué de l'école hein, à 18 ans. C'est quand même. Voilà. Deuxième, pareil. Alors donc à un moment donné, au troisième ou quatrième étudiant qui me dit je suis fatigué de l'école, hein, ils utilisent un mot, hein, Skolstrøt. Je leur dis bah, qu'est-ce que ça veut dire être fatigué de l'école? Ils me disent bah, au fond, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faudrait être fou pour aller à l'école de 3 ans à 18 ans et vouloir continuer. Ça ne fait vraiment aucun sens. D'accord ? Alors évidemment, tout ça, j'étais vraiment très choqué en tant que Français d'entendre ça, hein, en me disant, mais c'est vrai. Et effectivement, voilà, donc c'est ce qu'ils vont raconter, là, c'est ce que vous voyez là, hein, sur le petit extrait là, c'est au fond, être libéré de l'école. Et au fond, à 18 ans, on fait tout sauf ça, si possible. Et en quelque sorte, ce que ça veut dire sur la Suède, c'est que les trajectoires, elles se font selon les envies, beaucoup, et qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes qui sont levées. Donc, en quelque sorte, la métaphore qui fonctionne le mieux, c'est celle du métro, qui est une sorte d'infrastructure collective, où chaque individu se déplace à son gré. Si on choisit une destination au départ, évidemment, on peut viser un secteur, un métier, voilà, une vocation, voilà. Il est possible d'en changer à tout moment, changer de direction à tout moment. Plus on se rapproche de l'arrivée, plus évidemment dévier de son objectif initial prend un peu de temps, mais quand même, on est libre de choisir complètement son trajet. Donc en gros, c'est la logique de réseau. Hein, qui prime, hein, c'est la logique réticulaire, hein, évidemment, du métro. On peut revenir en arrière, on peut prendre une autre ligne, on peut sortir du métro quelque temps, on peut changer de wagon, on peut circuler indéfiniment dans le métro, dans les dédales du couloir. Voilà. En gros, on construit son parcours au gré de ses envies et en quelque sorte, on peut s'établir un peu à tout moment, n'importe où, de manière temporaire et définitive. Donc, c'est ça, au fond, l'analogie qui fonctionne le mieux. Alors, quiz numéro 2, du coup, à votre avis, quel est le moyen de transport, donc quel est en termes d'analogie des moyens de transport, quel est celui que les Français plébiscitent, ont plébiscité, que les étudiants ont expliqué, en quelque sorte, ont cité le plus souvent? Alors, vous me raconterez peut-être dans les questions pourquoi vous avez répondu l'avion et le vélo, mais à 70%, en effet, vous avez trouvé que c'est bien le TGV, effectivement, qui est cité par les étudiants. Donc, le parcours d'études, en quelque sorte, il se conçoit davantage comme un voyage en TGV. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça va être long et rapide. Qu'il faut surtout bien choisir sa destination au départ, parce que quand on part de Paris, il y a 6 directions différentes, mais qu'il ne faut pas se tromper parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ça s'avérera délicat de changer de direction, parfois coûteux en temps. Qu'une fois qu'on est monté dans le train, c'est une trajectoire qui est fortement linéaire. Qu'au fond, par intermittence, il est toujours bien possible de descendre du TGV hein, avant d'atteindre sa destination finale. Mais encore faut-il avoir le courage lorsque le train marque un arrêt court en gare et sachant qu'une fois qu'on est descendu, voilà, on a peu de temps en quelque sorte pour décider d'y remonter et on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver si on change de direction. Voilà, donc tout le monde est au cours du trajet tenu de se déplacer au même rythme, d'arriver le plus rapidement à sa destination et voilà, détail sans importance. Pour la même destination, vous avez deux classes, deux niveaux de confort. Hein. La première classe, hein, avec moins de monde, un meilleur service, une ambiance plus studieuse. Et puis la seconde classe, avec des wagons surpeuplés et des conditions de voyage dégradées. Voilà, donc vous aurez reconnu évidemment notre système dual français ici. Donc je propose de passer... C'est gentil, Naïma. Je propose de passer du coup à la suite de l'exposé. Je regarde si... Non, il n'y a pas de questions très récentes. Du coup, qui porte plutôt sur...
sur… je ne vous avais même pas montré ça. Voilà. Donc, bon, désolé, rail. Merci à l'OVE, d'ailleurs, l'Observatoire national de la vie étudiante, qui m'avait fait faire ces illustrations. Alors après, j'ai essayé de penser du coup la logique du continuum au regard un petit peu de tout ça. Je vous propose un troisième quiz qui apparaît. Non, Nicolas, vous pouvez peut-être le faire apparaître. Voilà. Ok, donc voilà, donc je vous demandais de choisir effectivement un peu ce qu'était le continuum Bac-3, Bac+3 pour vous. On voit qu'il n'y a pas une majorité, mais un élément qui ressort plus dans vos réponses, à savoir sécuriser le parcours des jeunes. Ouf, ça m'arrange dans ma présentation, parce que c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à vous. Donc, la conclusion, en quelque sorte, de cette emphase qui est mise sur les parcours normés hein, en France. Cette emphase qui est mise sur les parcours normés, en fait, elle amène à penser les autres parcours, voilà, ceux qui ne sont pas classiquement, et notamment, on a commencé à le voir, de dire, on passe du bac à directement l'enseignement supérieur, hein, on va le voir de manière un peu précise après, au fond, comme des ruptures biographiques, donc ça c'est le terme un peu sociologique, on pourrait dire des changements de direction, et d'ailleurs on a des mots qui disent ces choses-là, et ces mots, il y a des petits « re » ou « ré » avant, voilà, qui disent le changement en fait, de direction, voilà, c'est de la reconversion sur le marché du travail, c'est de la réorientation, d'accord. Donc, c'est comme si on n'était pas dans l'orientation, mais on est dans la réorientation. Vous voyez, ça dit en quelque sorte qu'au fond, on avait bien une orientation et qu'il a fallu se réorienter. Donc, il a fallu faire une rupture en quelque sorte. Et effectivement, qui dit changement de direction, dit dans cette logique de continuum, en fait, cette sécurisation de parcours. En tout cas, moi, c'est comme ça vraiment que je ressens assez fortement, sachant que, Bruno Geoffroy dit, Anne de Rosario, oui, le PowerPoint, il est disponible en PDF quelque part, et ça, Nicolas Ménager vous le dira, expliquera où. Bruno Geoffroy demande sécuriser un parcours même si l'emploi n'est pas au bout. Alors, je ne sais quoi répondre. Oui et non. C'est-à-dire que ce que je serais tenté de répondre, c'est que justement, ce continuum, c'est pour moi pas un continuum, la lecture que j'en fais en tout cas, hein, c'est pour moi pas un continuum de projet de vie qui serait porté par l'individu, mais plutôt un continuum de diplomation et d'insertion. C'est-à-dire qu'au fond, ce continuum est nécessairement pensé comme... avec un aboutissement de diplôme et d'insertion professionnelle. Et donc, c'est un peu ce que Bruno Geoffroy, en tout cas, la manière dont je lis ce que Bruno Geoffroy dit, est-ce qu'au fond, on doit sécuriser un parcours, même si l'emploi n'est pas au bout, et si je ne veux pas, je ne voudrais pas le faire parler à sa place, hein, vous voyez, je suis c'est moi qui peux parler ici, mais est-ce que sa réponse à Bruno Geoffroy, ça veut dire au fond, non, il ne faudrait pas sécuriser un parcours, même si l'emploi n'est pas au bout. En tout cas, j'ai l'impression que c'est effectivement un petit peu le sens de la manière dont c'est pensé en France, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un continuum avec une condition forte. Et cette condition, c'est celle qui a un projet, en fait. S'il n'y a pas de projet, en fait, du jeune, un projet légitime, et un projet légitime, qu'est-ce que c'est ? Au fond, c'est un projet d'insertion professionnelle. Et donc, du coup, je pense que c'est un petit peu, je ressens dans les lectures et dans la manière dont
qu'on peut comparer différents pays, qu'au fond, c'est ce le continuum tel qu'il est pensé en France, c'est plutôt dans cette logique-là. Donc, effectivement, sécuriser, j'en ai donné, moi, une définition, enfin, une définition, de cette idée de continuum, j'en ai donné une définition, pas de sécuriser, mais de continuum, qui me semble être voilà, le fait d'anticiper, d'aménager et de sécuriser. Et sécuriser, on va voir les moyens de le faire, hein, les parcours non linéaires qui sont jugés légitimes. Donc, en gros, ça voudrait dire qu'il faudrait imaginer à l'avance tous les parcours possibles, voilà, en fixant des conditions d'entrée dans ces parcours, cette logique de projet, à mon sens, qui fait qui est une sorte de condition un petit peu d'entrée tout le temps dans ces logiques-là. J'y reviendrai, par exemple, avec la question de l'année de césure. L'intérêt, évidemment, c'est de sécuriser les possibles, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, oui, les jeunes peuvent du coup se mouvoir dans des parcours moins linéaires tout en se sentant davantage accompagnés. Donc, ça, c'est le point positif. Évidemment, le point négatif, c'est celui qu'on risque d'exclure de nombreux possibles non imaginables, de nombreux possibles qui ne sont pas imaginables ou qui ne sont pas légitimes. Alors, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est de regarder en fait quelques façons de sortir de la norme et de regarder ce qui se passe en Angleterre et en Suède, et du coup, les réflexions qu'on peut s'en faire en France. Alors, Georgia Bouteiller, le système actuel décrit comme un TGV induit en effet une sécurisation des parcours, mais ne devrions-nous pas le penser autrement en offrant justement plus de choix dans les parcours ? Alors, j'y viendrai au fur et à mesure de la suite, là, de la présentation. La réponse qu'on va avoir souvent en France à cette question, c'est mais plus de choix, est-ce que ce n'est pas plus d'inégalité ? Parce que donner le choix aux individus et les rendre responsables de leur choix, au fond, c'est aussi recréer des inégalités là où, quand on avait une seule licence de sociologie partout en France, même si en fait on savait que c'était pas la même, d'accord ? Mais peu importe, on se dit que c'est la même parce qu'il y a une mention, etc. Au fond, c'est une forme d'égalité qui permet que quand on fait de la sociologie à Bordeaux, à Paris, à Strasbourg, au fond, on a le même diplôme à la fin et on vaut la même chose sur le marché du travail. Évidemment, tout ça est une fiction complète, hein. D'accord ? Mais en même temps, fixer cet objectif d'égalité, c'était l'atteindre un petit peu quand même. Mais effectivement, en offrant plus de choix, le risque est plutôt de faire en sorte que les étudiants les mieux informés fassent les meilleurs choix. Et j'y reviendrai après sur le cas de l'Angleterre. Au fond, la manière dont on répond l'Angleterre à ça, c'est de dire « laissons du choix ». Et mettons toute la transparence absolue sur les possibilités. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas d'inégalité, parce que les gens se saisissent plus ou moins de l'information, évidemment, mais la version libérale de la réponse libérale à cette question, c'est oui, laissons le choix, en ayant la transparence complète et en montrant que oui, il y a des universités qui sont peut-être meilleures que d'autres. Ah mince, il ne fallait pas le dire. Ah oui, il y a peut-être des filières qui ont une meilleure insertion. Et voilà. Donc en fait, ça, c'est un long chemin. Effectivement, et ça ne s'invente pas en un jour, et c'est quelque chose qui c'est une des possibilités de sortie, hein, cette vision libérale des prochaines années. Alors, je vais passer à la suite parce que je vois que sinon je vais passer beaucoup de temps. Alors, attendez, oula, annulé. Ok, alors. Donc, les quatre modalités que je voulais présenter, la première, c'est la question de l'année sabbatique. Alors, je fais une distinction là, alors, peu importe les termes, hein, mais je fais une distinction, moi, là, dans la terminologie, entre année sabbatique, qui est une année possible entre la diplomation du secondaire et l'entrée dans l'enseignement supérieur, et l'année de césure, dont je vais parler après, et une coupure, une interruption pendant les études, d'accord ? Peut-être que ce n'est pas absolument les termes que vous utilisez vous, etc., ou c'est sûrement des termes qui peuvent s'utiliser un petit peu pour les deux, mais voilà, là, c'est donc juste ça que je veux présenter ici. Sur l'année sabbatique, donc l'année avant l'entrée dans le supérieur, on est à 47% d'étudiants
suédois qui le font. D'accord ? Donc évidemment, c'est assez énorme. Alors, il y a un certain nombre de conditions favorables à ça. La première chose, c'est qu'en fait, on peut faire des études secondaires en tant qu'adulte. Donc moi, je suis toujours émerveillé de voir le lycée pour adultes de la ville de Paris. Voilà, et je me demande toujours pourquoi il n'y en a pas un dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Donc voilà, mais voilà, ça c'est un de mes souhaits hein, pour l'avenir en France. Donc ça, ils ont cette possibilité-là qui est assez forte. Hein, ça se voit dans le tableau de la page de la diapo numéro 3. Il y a aussi l'accès aux études secondaires des 30-39 ans. Donc, vous pourrez vous y reporter. Il y a aussi deux procédures parallèles et universelles qui mesurent deux formes distinctes de mérite, c'est-à-dire qu'on peut accéder à l'enseignement supérieur soit en passant avec les notes du secondaire, mais aussi vous pouvez passer un test d'aptitude, type SAT aux États-Unis. Vous passez un test d'aptitude et vous pouvez le passer à n'importe quel âge. Et on peut accéder à l'enseignement supérieur par là. Et il y a une régulation d'ailleurs des pouvoirs publics qui font qu'il y a au moins un tiers des gens qui sont des candidats qui sont acceptés via ce test. Et ça, en fait, ce test-là, il permet beaucoup plus aux adultes de rentrer en fait en formation. En Angleterre, on est à peu près à 10%. Donc, à mon avis, c'est ce vers quoi on pourrait tendre en France, où on est à des taux. Là, j'ai pas d'éléments, mais on a des taux extrêmement faibles, je les avais calculés une fois. Et puis d'autant plus que ça va augmenter avec le développement récent de l'année sabbatique en lien avec Parcoursup. Alors ce qui est vraiment très intéressant sur Parcoursup, c'est en fait la simplicité, il y a deux choses. C'est la simplicité du process, c'est-à-dire qu'il faut cocher une case. Donc c'est extrêmement simple à porter. La deuxième chose, c'est une quasi-opposabilité de la demande. C'est-à-dire que l'établissement, normalement, même s'il y a eu des problèmes la première année où ça s'est fait, normalement ne voit pas, avant la procédure de sélection, si le candidat a fait une demande d'année sabbatique. Et donc, il peut difficilement refuser cette demande après coup. Et ça, en fait, c'est le cas en fait en Angleterre. Donc c'est une forme d'opposabilité. Donc en fait, je reviendrai là-dessus en conclusion, sur l'aspect sécurisé, c'est peut-être pas tant sécurisé versus donner du choix, le dilemme à mon sens, mais c'est plutôt sécuriser un certain nombre de parcours possibles qu'on imagine et qu'on juge légitimes, versus donner droit aux individus de faire n'importe quel parcours. C'est-à-dire d'abandonner en fait une norme, en quelque sorte. Deuxième façon pour avancer là, de penser ces études autrement, c'est l'interruption. Hein, donc l'interruption en cours d'études. C'est assez intéressant, du coup, la manière dont ils organisent leurs études en Suède. C'est le cas aussi, enfin c'est aussi encore différent en Angleterre. En Suède, en gros, pour passer une licence, il faut avoir donc 6 semestres. Jusque-là, tout va bien. C'est la même chose en France. D'accord ? Et en fait, ces 6 semestres, ils peuvent être organisés à temps partiel, ils peuvent être organisés avec des pauses plus ou moins longues, etc. Donc typiquement, la situation d'un individu, d'un étudiant, c'est le fait de dire « je fais 6 mois d'études, ensuite je m'arrête pendant 1 an, ensuite je reprends pendant 2 ans mes études, ensuite je m'arrête pendant 6 mois parce que je vais travailler dans une association, ensuite je reprends mes études à temps partiel parce que je viens de faire un enfant, etc. » D'accord ? Donc c'est un petit peu ça la logique d'un étudiant suédois. Donc du coup, il y a quand même pas mal d'interruptions. En Angleterre, ça se passe différemment. Vu que les études, elles sont quand même assez, pour différentes raisons, mais en fait, leurs études sont chères, donc autour de 10 000 euros par an. Elles sont encore plus chères en master, donc c'est encore plus compliqué. En général, ils s'arrêtent quand même en licence au bout de 3 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement lié à ça, hein, mais y compris lié à ce dispositif d'action publique des frais de scolarité qui est très particulier. En fait, ce que ça a amené, c'est ça a amené en fait
le niveau terminal des études initiales à être la licence. Et en fait, c'est le cas, y compris si vous allez dans des filières de prestigieuses. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez à l'université d'Oxford, vous allez dans la filière économie et management, donc ça va être l'équivalent de notre HEC en France. Les gens, ils vont faire de la banque d'affaires, faire de la fusion-acquisition et gagner 3 fois mon salaire à 23 ans. Très bien. En fait, ils y vont après la licence, en fait. Ils n'y vont pas après un master. Et au fond, la sélectivité sur le marché du travail, elle se passe non pas par rapport à la durée des études, mais elle se passe par rapport à l'université, à la filière dans l'université, parce qu'elles sont très hiérarchisées, les universités en Angleterre, et à la note qu'on a eue, à la moyenne qu'on a eue, parce que ça a une importance aussi dans le recrutement assez forte en Angleterre. Et en fait, en quelque sorte, celui qui poursuit jusqu'au master, c'est quasiment, en tout cas, dans le cas, dans un certain nombre de cas que j'avais vu à l'université d'Oxford, c'est plutôt ceux qui n'arrivent pas à trouver un boulot, en fait. Donc, en quelque sorte, c'est en quelque sorte une logique un petit peu inversée. Et le master, en quelque sorte, il prend plutôt une logique dans le schéma plus classique, on va dire, des études en Angleterre. C'est d'abord la licence, ensuite travailler un petit peu, 1, 2, 3, 5, 10 années, et ensuite revenir faire un master pour se spécialiser dans un champ. Ce qui est en quelque sorte beaucoup plus malin en termes de vocation, parce que du coup, les gens peuvent tester sur le marché du travail ce qui leur plaît et ensuite se spécialiser. Alors que nous, les étudiants se sentent un petit peu obligés de se spécialiser dans la maintenance, je donne un exemple qui concerne, que je connais, dans la maintenance des lasers médicaux dans les hôpitaux, voilà, sans même savoir si ni le secteur, ni le métier va les intéresser. À la fin, ils font un stage, donc ils voient bien si ça les intéresse, mais potentiellement, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que ça ne les intéresse pas. Alors qu'au fond, en Angleterre, ils vont faire une licence de maths, ils vont aller travailler sur de la maintenance de machines, on va les former sur le tas, et après, ils reviendront se spécialiser. C'est beaucoup plus une logique de ce type-là. Alors, sur le marché du travail, Isabelle Turmen me dit, sur le marché du travail, les parcours non linéaires sont-ils reconnus ? Ne faudrait-il pas promouvoir ces derniers ? Alors oui, si je reprends le cas de l'Angleterre, je vais anticiper sur un certain nombre de points, mais sur le cas de l'Angleterre, si vous faites une licence en philosophie, en fait, on n'a pas vraiment de problème à vous embaucher pour faire courtier dans une assurance si vous avez une licence de philosophie. Ce n'est pas vraiment un problème. Pourquoi ? Parce que pour faire courtier en assurance, j'espère qu'il n'y a pas d'anciens courtiers en assurance ici, mais au fond, il y a besoin de quoi ? De savoir faire des calculs, savoir manier Excel et savoir communiquer avec des gens. Voilà, comme dans la plupart des métiers qualifiés, en fait. Donc, en fait, c'est beaucoup de compétences transversales et après des compétences techniques très précises qu'il faut acquérir en travaillant. Et donc, du coup, au fond, il n'y a pas de souci, en fait, pour faire ça. Donc, on peut faire une licence de philosophie ou de mathématiques et ensuite aller faire ça. Et même plus, ils vont aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont regarder si vous avez eu, alors c'est first, donc là-bas, l'équivalent de très bien de 16 de moyenne, c'est first. Après, c'est 2.1, 2.2, enfin bon, peu importe. Mais voilà, donc il y a des niveaux de classement dans les notes qu'ils ont à l'université, comme on a en France, sauf que nous, c'est une échelle de 0 à 20. En fait, si on vous fait de la philosophie avec 18 de moyenne, on va vous donner un meilleur job que si vous faites de la philosophie et qu'à la fin vous avez 11 de moyenne. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on estime que si vous avez réussi à exceller dans l'acquisition de savoir académique, dans la capacité de rédiger, etc., au fond, vous n'aurez pas de mal à apprendre n'importe quel logiciel d'assurance. Ce n'est pas vraiment ça la difficulté. Évidemment, tout ce raisonnement-là ne fonctionne pas avec les chirurgiens viscéraux. D'accord ? Il y a un moment donné, ça ne fonctionne pas exactement pour certains métiers très particuliers, extrêmement qualifiés sur des gestes précis, etc. Mais pour un grand nombre de métiers, en fait, ça fonctionne. Et évidemment, l'inverse, je reviens sur la question d'Isabelle Turmen, l'inverse, effectivement, en France, c'est au fond cette logique adéquationniste qu'on a en France. C'est-à-dire d'imaginer, alors ça qui fait partie en quelque sorte de l'imaginaire français aussi de manière assez nette, d'imaginer qu'en fait, pour chaque formation,
elle devrait mener un métier. C'est tout ce sur quoi vous travaillez, vous, les acteurs locaux, dans les établissements, dans les lycées, dans les universités, dans les grandes écoles, etc., sur comment on fait la logique, l'approche compétence, comment on fait pour imaginer ce à quoi ça va servir, les compétences que ça nourrit, etc. Et à l'inverse, que pour tout métier, il faudrait une formation. Et en fait, cette logique, au fond, adéquationniste, il voudrait que, dans un idéal, chaque personne serait formée à quelque chose et irait faire son métier. Eh bien, évidemment, elle ne fonctionne pas du tout, mais ça reste un idéal qui marque beaucoup plus la France que d'autres pays. Et en fait, c'est un problème parce que ça ne met pas de l'huile dans les rouages de ce que dit Isabelle Turmen. C'est-à-dire qu'au fond, justement, tous ces parcours non linéaires, on va dire, ouais, mais alors à ce moment-là, vous avez fait de la philosophie, après de l'assurance, quelle est la logique? Et puis après, vous avez arrêté de travailler, pourquoi? Ah, vous occupiez de votre père malade, est-ce que c'est une bonne raison? Ah oui, évidemment, en fait, on n'a jamais vraiment de bonne raison, en quelque sorte, en France. De ne pas avoir un parcours parfaitement linéaire. Évidemment, je pousse un petit peu le bouchon et les employeurs, évidemment, il y a une diversité des employeurs qui vont être plus ou moins compréhensifs, etc. Et puis, on est capable aussi de penser des parcours non linéaires et de les argumenter. Évidemment, les candidats sont capables de faire ça, mais on sent qu'il y a une tension beaucoup plus forte là-dessus par rapport à la Suède et encore plus par rapport à... Alors, je repasse sur la présentation. Attendez. Alors, quiz numéro 4. Il ne faut pas que je me perde là parce que. Alors, quiz numéro 4. Donc, le quiz est lancé et on va accélérer un petit peu si vous me le permettez pour tenir les délais. Ouais. C'est quelle heure qu'il faut terminer? À quelle heure je termine? On a 20 minutes. 20 minutes, ok. Donc, selon vous, quelles sont les conditions nécessaires pour un étudiant français pour faire une année de césure? Oh là là, c'est beau, vos réponses sont flamboyantes, mais beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Donc vous exprimez mon rêve, évidemment, mais vous n'exprimez pas la réalité. Donc évidemment, il y a des conditions assez drastiques. Alors, l'année de césure, c'est à la fois une expérience possible, hein, c'est-à-dire interrompre pendant une année ses études, hein, donc ça c'est une expérience possible. Mais là, alors peut-être que j'aurais dû peut-être préciser, c'est l'année de césure au sens où elle est pensée, hein, par les acteurs et au sens où elle permet une certaine sécurisation, hein, du parcours. Donc là, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez entendu, mais en gros, pour avoir la sécurisation du parcours, c'est-à-dire potentiellement être toujours boursier, potentiellement, enfin, avoir la carte d'étudiant pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages, etc. Avoir la garantie de l'établissement qu'on pourra revenir dans ses études. Donc, pour avoir ces éléments-là, il faut bien avoir un projet d'emploi, de volontariat ou de bénévolat. C'est bien ça la condition sine qua non. Il faut nécessairement avoir ça. Ce n'est même pas avoir un projet personnel. Par exemple, là, je parle par rapport au texte. Dans la pratique, vous allez me dire que peut-être qu'il y a des différences effectivement dans la pratique, là que je ne connais pas, je n'ai pas fait une étude spécialement là-dessus, mais les textes sont très clairs. Les textes expliquent que pour avoir accès à ça, il faut déposer un projet auprès de son établissement, déposer une demande auprès de son établissement, et la justifier avec un certain nombre de possibilités, il y en a une dizaine, qui relèvent uniquement d'un projet d'emploi, de volontariat ou de bénévolat. Il n'inclut même pas la situation qui est plutôt typique des interruptions sauvages, non institutionnelles qu'on peut avoir en France, qui sont des raisons essentiellement négatives sur travailler pour gagner un petit peu d'argent, pour que je puisse revenir en études, m'occuper de mon père malade du Covid, etc., etc., ou avoir un enfant, ce genre de choses-là. Ou faire le tour du monde à la voile en solitaire, hein, ce qui en soi peut être un projet professionnel, donc là ça serait un petit peu limite, mais en soi en quelque sorte
Effectivement, on peut rejoindre Virginie Deschamps là, qui poste un petit message il y a quelques secondes. C'est oui, en quelque sorte, il est un peu suspect de ne pas avoir un parcours linéaire. Et c'est un peu suspect de vouloir faire une année de césure, en fait, en vrai. Voilà. Si on a une bonne raison de le faire, pourquoi pas? Et l'établissement, au fond, ne devrait pas refuser. Mais, en quelque sorte, c'est comme si l'établissement devait aussi. La sécurisation passait par l'établissement devait empêcher. L'étudiant, le jeune, de se fourvoir en quelque sorte dans une année de césure où il ne ferait rien, comme si on pouvait ne rien faire, d'accord. Et en fait, voilà, c'est vraiment dans cette logique-là. Et voilà, je suis assez intéressé par le fait que vous ayez pas perçu effectivement cette grosse condition d'entrée, effectivement, mais vous regarderez la sortie de la conférence, parce que là, on n'aura pas le temps, mais les raisons, hein, année de césure, ministère, et les raisons, au fond, qui les bonnes raisons que le ministère donne pour pouvoir faire une année de césure. Alors, je vois Jean-Marie Chéneau, pas si sûr, l'année de césure est de plus en plus pratiquée, notamment dans les grandes écoles. Donc, encore une fois, ce que je dis, c'est ce que dit le ministère. D'accord ? Après, c'est effectivement possible qu'au niveau local, et c'est là la responsabilité du pilotage local, que peut-être qu'il y a des manières d'aller de manière plus libre, en quelque sorte, pour les établissements, pour les responsables pédagogiques, et d'accorder davantage de possibilités. Mais effectivement, par défaut, c'est l'établissement qui a la main pour le choix. Encore une fois, l'étudiant peut toujours partir en année de césure, et il arrête un an, deux ans, et quand il reviendra, il verra bien ce qui se passe. Mais à ce moment-là, il n'est pas dans un parcours sécurisé, du coup. Alors, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Le temps partiel, c'est une autre manière aussi d'organiser son temps d'études différemment. Alors, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, en fait, le temps partiel, il est comme s'il était inexistant, en fait, en France, mais on va le voir, il n'est pas vraiment inexistant. Il est autour de 40% au Royaume-Uni et en Suède, mais au Royaume-Uni, il est quand même un peu plus subi, en fait. Hein. Mais en Suède, c'est vraiment une logique de parcours, comme je l'ai un petit peu expliqué. On va passer un petit peu plus vite. Allez, on passe au quiz, alors. Nicolas. Oui, je le mets en œuvre tout de suite. Ouais. C'est le dernier. C'est ça. Voilà, donc quelle est la proportion des étudiants en France à temps partiel dans les faits? Donc, hein, voilà, et c'est-à-dire, c'est moi qui donne la définition, moins de 20 heures de cours et travail personnel par semaine. Même si, évidemment, ils sont bien inscrits à temps plein. Hein. Donc, à votre avis? Voilà, alors vous avez plutôt vu juste, en effet, hein, c'est 23% des étudiants. Donc ça, c'est les résultats de l'enquête nationale de la vie sur de l'Observatoire national de la vie étudiante, excusez-moi. Donc en fait, il y a à peu près 23% des étudiants qui sont dans cette situation, qu'on pourrait en quelque sorte dire d'un point de vue français, mais c'est horrible, c'est affolant. Mais en même temps, on pourrait aussi se dire, bah c'est bien, ils font un peu ce qu'ils veulent de leur vie. Sauf qu'en quelque sorte, on pourrait effectivement imaginer les sécuriser, si on veut reprendre ce terme, pour leur permettre de faire ça de manière légitime. Alors, c'est de plus en plus le cas via la possibilité de ne prendre que quelques yeux dans une formation. Ça va être en théorie un peu plus le cas avec les blocs de connaissances et de compétences aussi, avec le contrat de pédagogique de réussite. Donc, il y a des éléments qui avancent dans ce sens. Pour l'instant, je pense que les étudiants s'en saisissent de manière relativement de manière relativement faible. Je pense que les établissements s'en saisissent de manière assez faible, même si je pense que j'imagine que certains sont déjà en avance là-dessus, et c'est juste en fait le ministère qui lui n'a pas encore remonté et toutes les informations de ce point de vue. Mais pareil, je pense qu'il y a une logique un petit peu de pilotage local de cette question.
Dernier point d'organisation des parcours, la question de la pluridisciplinarité. Là, pareil, avec des choses qui se passent en France, hein, évidemment. Donc là, donne quelques exemples hein, de ce qui se passe en Angleterre et en Suède, mais qui donne un éclairage aussi sur la pratique française. Vous voyez que à l'université d'East London, hein, qui est une université très, très paupérisée hein, en Angleterre, donc ils ont une logique, soit avec des diplômes disciplinaires, soit avec des majeurs mineurs, soit bidisciplinaires. Oui, c'est des choses qui un peu émergent en France, etc. La particularité quand même de ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils sont organisés, vous voyez, avec des choses simples, dire, au fond, on pourrait faire 3 plages horaires dans la journée. Ils ont des cours de 3 heures. Une plage le matin, une plage l'après-midi, une plage le soir, aussi pour les gens de la formation continue. Et en fait, on a des plages un petit peu standards, ces plages permettent que, au fond, on puisse combiner dans tous les cas toutes les disciplines, ou quasiment toutes les disciplines, en majeur-mineur. Et donc, en fait, il y a 5000 combinaisons possibles. 5000 combinaisons possibles, ça veut dire que vous pouvez faire du design et des maths. À me dire, du design et des maths, qu'est-ce que ça fait ensemble? Mais j'ai envie de dire, mais si vous ne savez pas, mais c'est votre problème. Mais en fait, c'est l'étudiant qui doit savoir. Et on peut tout à fait imaginer que sur le marché du travail, justement, ça crée des nouvelles compétences. Parce qu'au fond, on est des gens qui connaissent ces deux disciplines différentes et que ça peut produire l'innovation peut-être sur le marché du travail. Donc en fait, en quelque sorte, on peut choisir ce qu'on veut. Donc vous voyez, alors en France, la manière dont on va penser ça, souvent, c'est plutôt de dire, commencer par dire, on n'a qu'à faire des bilicences. D'accord ? Donc là, ça veut dire il y a deux disciplines. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout systématisé, cette logique-là. Et puis sinon, la deuxième étape hein, dans laquelle certaines universités rentrent, c'est d'une logique plutôt de dire, on ne va plus faire des bilicences, mais on va faire des logiques de majeur-mineur, mais plutôt avec des choses qui se ressemblent. D'accord ? Genre sociologie et psychologie. Ça va bien ensemble. Ça paraît sérieux. Ça paraît linéaire. D'accord ? Infirmière et sociologie, ça, c'est trop bizarre, par exemple. Design et sociologie, peut-être, de loin, quoi. Donc, vous voyez, donc, du coup, il y a un certain nombre de choses comme ça qui s'imaginent en France, mais pareil, de manière assez... on est assez conservatrice, on va dire, par rapport au cas anglais. Alors, le cas suédois, il est encore plus fou, en quelque sorte, hein, de ce point de vue. Il donne des cursus, il y a des cursus libres. C'est-à-dire qu'en fait, un étudiant, on lui dit, l'essentiel, c'est que tu dois faire 6 semestres pour valider une licence. Après, tu fais ce que tu veux comme semestre. La seule condition, c'est que tu aies un semestre de niveau A, de niveau B et de niveau C, donc des niveaux incrémentaux de difficulté, dans une discipline. Donc typiquement, un parcours d'étudiant en Suède, ça ressemble à ça. J'ai 18 ans, j'ai fini le lycée, jamais de la vie, je vais faire des études maintenant. Ça serait une folie. Donc je pars à l'étranger, je vais apprendre une langue, je vais travailler, etc. Au passage, pour eux, en fait, vu qu'il y a des gens aussi, qui ne sont pas en échec, qui cherchent un job à 18 ans, en fait, il y a une place pour les jeunes sur le marché du travail qui leur est faite. Il prend les études à 22 ans, il prend une licence, mais sauf qu'en fait, il ne prend pas une licence. Il fait le niveau A de sociologie. Très bien. Ensuite, il se dit, la sociologie, en fait, ça m'emmerde profondément. Je vais faire plutôt le niveau A maintenant de mathématiques. Ça lui plaît, c'est pas mal. Donc après, il fait le niveau B de mathématiques. Et puis après, en fait, il se dit, mais là, j'ai une opportunité pour travailler dans une association, j'ai envie de me découvrir, etc. Et il s'arrête pendant 2 ans, il travaille dans une association. Puis après, il reprend ses études, mais il reprend ses études à temps partiel parce qu'il a envie de continuer à travailler dans son association. Donc là, il se dit, mais en fait, en travaillant dans une association, j'ai compris quand même que la sociologie, c'est toute ma vie. Donc du coup, il se dit, je vais faire sociologie, niveau B, il le fait en 2 semestres. D'accord ? Après, il se dit qu'il aimerait bien faire un peu de design, donc il fait niveau A. Et puis après, il fait niveau C en sociologie. Il a donc 6 semestres, excusez-moi, je ne sais plus compter, 3 en sociologie, A, B, C, 1 en design, 1 en mathématiques et 1 en je ne sais plus quoi. J'ai perdu le fil de mon parcours, tellement c'est compliqué. Et il arrive, et il a 28 ans, et il a sa licence. Et en fait, à 28 ans, on va dire, à 28 ans, il a sa licence, mais c'est un cas désespéré, le type.
Alors évidemment, pour eux, ce n'est pas un cas désespéré, c'est normal. Sauf qu'en plus, l'intérêt, c'est que entre 18 et 28 ans, il a quand même fait des choses. Il s'est peut-être marié, il a peut-être eu des enfants, il a travaillé, etc. Donc en fait, quand il a 28 ans, il n'est plus dans une logique d'insertion professionnelle. Il est déjà inséré, en fait. Donc il termine ses études quand il est déjà inséré, en quelque sorte. Donc en fait, il y a une continuité beaucoup plus forte. Je vais passer à la conclusion directement. Alors, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'évidemment, on a quand même une dynamique positive en France. Hein, il y a quand même des choses qui se passent. L'année de sabbatique qui est possible maintenant via Parcoursup. Cette idée de contrat pédagogique pour chaque étudiant, cette idée que de continuum, qu'au fond il faut faire en sorte de sécuriser, de donner plus de choix. Donc il y a des choses qui sont positives évidemment, mais reste encore ancré un peu quand même cette idée qu'au fond il y a qu'une bonne trajectoire pour la jeunesse, c'est celle d'une insertion professionnelle rapide après si possible des études sans interruption et si possible dans un truc un peu cohérent qui s'appelle une discipline. Au fond, il y a ce sentiment qui prédomine encore, même si c'est en train de s'ouvrir de plus en plus, même si au fond, il y a des étudiants qui se permettent de plus en plus de choses, il y a des établissements qui essayent de travailler justement à ouvrir les choses aussi de ce point de vue, mais on reste quand même dans une logique un petit peu de ce point de vue. Et pour moi, le continuum, en quelque sorte, c'est que si jamais le jeune en dévie, et j'utilise le terme dévier à dessein, il s'agit alors d'anticiper, d'aménager, de sécuriser des parcours non linéaires, mais jugés légitimes, hein, donc je reviens à cette définition que je propose, c'est-à-dire en gros avoir un projet sérieux. Et qu'est-ce que c'est un projet sérieux? C'est donc un projet professionnel. Une autre façon, en quelque sorte, de penser les choses, me semble-t-il, est possible, c'est qu'on peut partir au fond du principe, de la norme. En fait, chaque parcours ne devrait pas être dans la norme traditionnelle. Donc, en gros, partir de cette idée de parcours non traditionnel d'études, et c'est ça, en fait, qui devrait être la norme par défaut. Si on part de ce point de vue, de dire que l'année sabbatique, l'année de césure, les pédagogies adaptées, l'interdisciplinarité, etc., etc., doivent être pensées comme la norme à laquelle on peut déroger pour avoir un parcours linéaire, et non comme l'exception. Dans la pratique, me semble-t-il, en termes de pilotage, ça veut dire qu'il faut penser l'expérience étudiante en termes de droit. Droit à partir en année de césure. Donc, on l'a pour l'année sabbatique, mais en année de césure, pour moi, ce n'est pas un droit, c'est un droit conditionnel. Et il faut penser plutôt en termes de droit plutôt que d'options ou de possibilités sécurisées. Ceci étant dit, dernier point, et je serai pile poil à 15h20, incroyable, cette visée, elle est d'autant plus pertinente qu'elle remplit certaines conditions. Alors, on l'a vu sur le modèle suédois et le modèle anglais qui sont quand même. Il y a des choses qui sont proches, mais il y a des choses qui sont assez différentes. La chose qui est proche, c'est qu'ils ont une grande liberté. La chose qui est différente, c'est qu'ils sont dans un monde plus ou moins égal. Et en Angleterre, effectivement, leur solution, en quelque sorte, c'est de dire au fond, on vit dans un monde inégal, mais règne une forme de transparence sur les possibles. Tout le monde est au courant, donc chacun est responsable de soi, puisqu'il a les informations. Et en Suède, au fond, il y a une logique d'égalité sociale beaucoup plus forte. Donc, au fond, ce que ça veut dire, c'est que chacun peut faire un peu ce qu'il veut, parce que, au fond, ça n'aura pas tant d'impact que ça, en fait, sur la vie des individus. Et en France, on voit bien que, on a du mal à faire l'un comme l'autre, en fait. C'est aussi pour ça qu'on est, en fait, dans notre situation actuelle. Et c'est ça que ça pose aussi, en quelque sorte, comme question, c'est le modèle aussi qu'on cherche à viser au travers de ça et comment penser autrement la société française. Donc écoutez, merci beaucoup pour votre écoute, pour vos questions et j'espère que ça aura pu permettre de donner d'autres idées, même si évidemment tout ça évidemment est à remettre après en contexte du travail réel de pilotage que vous avez à faire concrètement. Merci à vous. Merci beaucoup Nicolas Charles. On a peut-être le temps de relayer sinon des questions, des remarques qui peuvent aussi être des questions d'une certaine façon en lien avec ce que vous avez dit. J'en ai noté trois dans le forum. D'abord l'idée de la libéralité finalement des systèmes et de
leur capacité à être pilotés en tant que système qui offre ces libéralités de choix et de parcours, qui est revenu d'une certaine façon. Et l'exemple porté par Xavier Pellot, qui rappelle que Sciences Po, par exemple, impose la césure, donc comme un acte de pilotage pour ses étudiants eux-mêmes. Et puis une réflexion de Mélanie Caillot qui s'interroge sur les différences de reconnaissance qu'il peut y avoir entre, par exemple, les universités anglaises et leur monde professionnel, le monde professionnel anglais, et en comparaison, les cultures assez distinctes qui existent ou qui perdurent encore entre nos mondes scolaires et universitaires et le système professionnel. Et en creux, c'est la question de sommes-nous pas dans un carcan auto-entretenu, et sommes-nous prêts à sortir pour aller vers ce que la réforme du lycée commence à proposer, plus de modularité, plus de diversité des parcours et plus de reconnaissance de ces diversités. Donc ce sont des remarques, des questions, si vous voulez intervenir sur ces derniers points, où je vois que Charles Torossian arrive également pour terminer ce débat autour de ces remarques-là. Oui. Alors sur la capacité des systèmes à être pilotés, je pense que je suis pas le mieux placé pour répondre. Hein. Probablement c'est l'objet aussi de votre colloque d'y répondre. Voilà, je pense qu'en fait ça, toutes les sociétés ont les mêmes. Probablement un politiste, il faudrait que vous ayez un politiste, quelqu'un qui fait de la science politique pour vous répondre. En fait, en France, on a un fonctionnement quand même assez, je trouve, particulier des évolutions, des réformes politiques. Sur le cas de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qui sont souvent que les politistes vont appeler des graines du changement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont implanter une idée, mais de manière légère, pour que potentiellement, 10, 15, 20 ans plus tard, elle fasse émerger un vrai mouvement, une vraie évolution politique. Vous voyez, j'ai l'impression que, par exemple, cette histoire d'année sabbatique sur Parcoursup, la possibilité de cocher cette case, alors moi, j'avais milité fortement auprès de la CPU, Ligue ENR, etc. pour ça. Je sais, je suis sûr que d'autres l'ont fait, et Nicolas Ménager m'avait dit aussi, d'autres l'ont fait dans ce sens. Mais j'avais discuté avec l'informaticien qui avait monté le truc Parcoursup, et il me donnait quand même un peu l'impression que c'était un peu arrivé là quand même, un peu par hasard, quoi. Donc, on pourrait presque se dire des fois en termes de politique publique, vous voyez, on pourrait presque se dire, bah, au fond, c'est quelqu'un au ministère qui a dû dire à cet informaticien, tiens, mets ça pour voir ce qui va se passer et si quelqu'un nous dit quelque chose. Et qu'après, il se passe quelque chose. Et 15 ans plus tard, tous les étudiants français, personne ne prend ses études à 18 ans. Voilà, donc en fait, effectivement, vous voyez, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des sortes de choses comme ça. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais effectivement, donc il y a des sortes de choses dans le pilotage, effectivement, qu'on ne gère pas complètement. Voilà, et en même temps, je crois qu'on a toujours l'impression, un autre point, c'est que je pense qu'on a toujours l'impression en France que on dépend du niveau national et que, au fond, le pilotage local n'est que l'application du niveau national. Et en vrai, on le voit, en fait, que c'est faux, en fait, en vrai. Les universités, elles prennent beaucoup moins d'autonomie que ce qu'elles pourraient. Alors, c'est un truc qui se travaille. Le ministère, il lâche beaucoup moins que ce qu'il pourrait. Mais en fait, si on ne lui répond pas, je pense qu'en vrai, ça marche aussi. L'exemple du coup de M. Pellot à Sciences Po, c'est qu'en fait, on peut obliger les étudiants, par exemple, à faire ça. Oui, ça peut être une solution. Souvent, c'est une solution plus simple dans un petit établissement. Petit. Sciences Po, si c'était Sciences Po Paris, ce n'est pas un petit établissement, mais c'est un établissement cohérent d'un point de vue de ses parcours. Par exemple, si l'on compare l'Université de Bordeaux, 55 000 étudiants, des filières à n'en plus finir, etc. Donc, c'est plus compliqué, évidemment, dans des gros établissements. Mais effectivement, dans des petits établissements, c'est tout à fait possible d'imaginer qu'au fond, de se dire, si on estime que ça fait partie d'une bonne trajectoire étudiante, pourquoi pas l'imposer. Mais effectivement, si on fait ça, c'est aussi une forme de sécurisation. On revient en fait à ne pas donner le choix. On revient en fait à obliger les jeunes à rentrer dans un cadre. Mais pour leur bien, en quelque sorte, parce qu'on estime que ça leur fait du bien. Et on pourrait, voilà, et c'est vrai qu'en Angleterre ou en Suède, on estime qu'en fait c'est le jeune qui décide pour lui, qui prend ses responsabilités.
ils sont plus ou moins inégaux, ils ont plus ou moins de choses, d'informations, etc. Mais qu'au fond, c'est à eux de décider. C'est une manière quand même assez française de penser que de passer d'une idée de bah, « non, on ne peut pas vraiment faire d'interruption d'études » à bah, « si, il faudrait tous les obliger à le faire ». Vous voyez, en fait, c'est comme si on… Voilà, donc bon. Mais pourquoi pas, hein, je trouve que ça serait mieux de, faire, de les obliger que de les empêcher. Sur l'autre question, je crois que j'avais déjà répondu un petit peu, mais… Ouais. Je crois qu'on va conclure, si vous voulez bien, Nicolas Charles, parce que bon, on va essayer de respecter un petit peu l'horaire. On a encore 117 personnes connectées. En tout cas, je voulais, au nom du comité d'organisation de l'IHESEF en particulier, vous remercier pour votre intervention. Donc, ça correspondait bien à l'idée qu'on avait de ces journées d'études et non pas un colloque. En tout cas, il est encore prématuré pour y avoir vraiment un colloque sur le pilotage. C'est créer cette idée de communauté de pensée. Vous avez lancé des pistes autour, effectivement, du rôle de l'année sabbatique, de l'année de césure, en pointant effectivement actuellement les restrictions qui posent sur l'année de césure, sur la capacité du système à prendre en compte les interruptions d'études sans en faire un élément négatif, mais au contraire, un élément de liberté et de responsabilisation. Vous avez replacé aussi la question du temps partiel qui correspond aussi à des objectifs territoriaux, peut-être de gestion et d'articulation de politique publique. Et puis, la question de la pluridisciplinarité qu'on n'attendait pas et qui vient en écho avec la réforme du lycée, et où on voit que effectivement la norme perdure par rapport à la liberté des combinaisons. En tous les cas, les exemples que vous avez donnés constituent ce petit terreau de réflexion et ce que nous souhaitons évidemment dans les mois qui viennent, puisque nos journées d'études en présentiel auront lieu le 10 au 12 mai, mais il y aura tout ce travail en atelier avec les trois thématiques, viendront alimenter cette réflexion commune, cette communauté de pensée. Et ce que vous dites, j'allais dire, correspond peut-être à l'élan que nous souhaitons lancer, à savoir que peut-être que les acteurs peuvent se saisir d'idées et peut-être, j'allais dire, les promouvoir. En tous les cas, l'état d'esprit dans lequel votre conférence s'est placée correspondait bien à nos attentes et je voulais vous remercier particulièrement pour les pistes très concrètes que vous avez lancées à la réflexion, d'une certaine manière, des acteurs pour créer ce cadre de confiance et ces débats qui pose ce que vous avez dit sur la licence, évidemment, se pose aussi pour le lycée d'une certaine manière et replacer la question des compétences acquises, notamment, je pense, au grand oral ou au chef-d'œuvre pour nos élèves. Voilà, donc encore une fois, merci. Merci à tous les 116 personnes, 117 personnes qui étaient présentes à ces journées. Le webinaire est enregistré, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay. Et puis, nous vous donnons rendez-vous demain en fin d'après-midi pour le premier webinaire sur NSI qui sera suivi le 2 mars d'un webinaire IHESEF, les mardis d'IHESEF, sur la question de la souffrance étudiante et les difficultés rencontrées. Et on parlera le 16 mars de l'orientation avec les spécialistes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain en fin d'après-midi sur la chaîne de l'IHESEF. Et peut-être Nicolas Ménager, si vous avez des éléments techniques ou à donner à nos publics avant le rendez-vous de demain après-midi à 17h. Oui, tout à fait, merci Monsieur le Directeur. Vous allez recevoir pour commencer un mail tout simplement ce soir avec le rappel des trois directs, le rappel des liens de connexion. En fait, je viens de tenter de l'envoyer, mais la boîte Outlook est limitée à 100 destinataires, donc il y en avait 193. Donc, je vais faire en deux fois et je m'excuse par avance si jamais vous recevez ce même mail deux fois de suite. Donc, un mail avec ses prochains rendez-vous, la page du site de l'Institut qui les présente et puis qui sera votre porte d'entrée pour accéder à ces directs, dont le prochain est demain, de 17h à 18h, autour de NSI. Voilà. Merci à vous, du coup, et puis à très bientôt. Charles, merci à vous tous. Et puis, à très bientôt au nom du comité d'organisation et de l'IHESEF. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.